بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته demain inshallah nous pouvons continuer ban hadith riyad al salihin aujourd'hui nous prenons un hadith qui rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui fait un khutba la veille Ramadan. Alors là dedans il explique beaucoup ben, ça fait important essentiel concernant Ramadan ça fait qu'il nous déjà connaît mais qu'il nous besoin rappelle nous-mêmes. Alors nous lisons ce hadith là aujourd'hui, nous comprenons, nous rappelle nous-mêmes. Alors hadith rapporté par Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Il dit khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhir yawm min Sha'ban. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin fait un khutba, fin cause avec nous, dernier jour Sha'ban, ça veut dire la veille Ramadan. Alors il dit, Ya ayyuhannas, ô Benjamin, qad adhallakum shahrun azim. Certainement, un grand mois, pevin l'ozot. Shahrun fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Un mois dans lequel il y a la nuit qui meilleure que mille mois. C'est la nuit de laylatul qadr. Alors, Ramadan, les gains sont valés. Parmi les raisons qui font les gains sont valés, c'est que là-dedans, le Coran fin descend. Le Coran fin révélé. Ça veut dire qu'il est sorti depuis Allah al-Mahfouz et fin vient le premier le ciel. Et là, depuis le premier le ciel, tchigin, ayat par ayat, surah par surah, fin révélé le Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le temps 23 bananes. Alors, ça. Première descente là, les tifères dans la nuit de Laylatul Qadr, donc dans le mois de Ramadan. À cause de ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, là dans même Qur'an, fin révélé, Hudal linnas, comme une guidance pour Ban Jimun. Alors, Rasul sallam dit là dans la nuit, qui meilleure, qui mille mois. La nuit de Laylatul Qadr, qui est venue dans 10 derniers. Nuit de Ramadan, il n'est pas venu seulement 27e. Il est capable 27e, il est capable 25. Alors, il y a un hadith, Djanou qui lit dans 10 derniers la nuit, et il y a Djanou qui lit dans 5 la nuit non père, parmi sa 10 là. Alors, un musulman qui a envie vraiment de gagner la tout le cadre, alors il ne connaît pas, nous ne connaît pas lesquels ça. Alors, nous faisons ibadat, nous faisons un maximum dans tous les 10 la nuit. Et là, là, nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même malgré nos manquements, malgré nos bannes, il n'a pas nous fatiguer, il n'a pas les cours pas apprendre, malgré tout cela, nous faisons des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous laylatul qadr. Alors, le hadith continue, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ja'ala Allahu siyamahu faridatan wa qiyama laylihi tatawu'an. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait la danse au rosa faraz. Avant Ramadan, tiens man les autres façons garde rosa, qu'il est dans sa façon lui-même, dans man l'air, dans man détail, et qu'il est dans man jour, par exemple, tiens yom ashura, tiens man les autres jours encore. Les là, les temps, fin gagne l'autre pour garde rosa dans Ramadan. Tout ça man les autres là, fin vin tatawu, ça veut dire nafil, les là, Ramadan, les fin vin faraz, et les là, les vin de sa forme qui nous connaît aujourd'hui, façon qui nous garde rosa là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fin fait rosa min faraz. Rosa faraz, ça li en deban pilier l'islam. C'est lui qui pas pour garder rosa pour une raison qui pas valable. Alors ça dit mon là, li fin fait un grand péché, li en fasiq, li pour besoin faire taouba et li pour besoin remplacer ce rosa. C'est lui qui fin rate rosa pour une raison valable, qui bien valable, par exemple maladie ou soit les autres raisons. Alors il n'est pas pour gagner un péché, mais seulement le style, il peut besoin remplacer ce rosa. C'est lui qui n'est pas capable de garder rosa parce qu'il, par exemple, est malade. Et il connaît, il peine à l'espoir pour lui bien. Par exemple, un vieil dimon, il n'est pas pour qu'il jamais garder rosa encore. Alors, il a besoin d'un fidia. Comment nous entendons dans l'ayat Quran qui nous finit, dans Surah Baqarah. C'est lui qui n'est pas d'accord qui sa rosa la faraz l'oli. Sa dimon là, le kafir, il finit sorti en déodine. Parce qu'il y a un pilier de l'islam, c'est ce qu'on appelle les qat'i, ça, les trop clair, ça, dans le Coran, dans le Hadith. Alors, c'est lui qui n'est pas d'accord. Malheureusement, nous les attendons. Il nous dit, moi, mon travail est tellement difficile. Rosa, là, pas appliqué au moins, ça. Ou ça, il trouve les autres raisons. Il n'est pas accepté que Rosa Faraz,
allo sa djumon la li fin sorti en déodine qui Allah protège nous et Allah subhanahu wa ta'ala donc li fin faire rosa faraz et li fin faire qiyamul layl ça veut dire djigout dans la nuit pour faire ibadat tatawwu'an ça veut dire volontaire alors nous avons des qualités nous avons qiyamul layl ça veut dire tahajjud qui nous fait préférablement comme Rasoul Sallam il montre nous dans troisième tiers la nuit après dans premier tiers la nuit nous avons salat ou tarawih. C'est des affaires différentes. Hein? C'est des affaires différentes. Tahajjud l'inafil. Il y en a beaucoup, beaucoup valeurs, mais l'inafil. Tarawih, ça aussi, li tatawu, ça veut dire li volontaire, mais seulement li sunnat, un sunnat qui a beaucoup l'emphase. On appelle ça sunnat mu'akkada. Il y a sunnat mu'akkada, ghayr mu'akkada. Ghayr mu'akkada, si un djimoun fait, il y a beaucoup sawab. Si il n'y a pas fait, il n'y a pas péché. Mais sunnat mu'akkada, si il fait, il y a beaucoup sawab. S'il n'est pas fait, il n'est pas pour un péché, s'il y en a une raison valable. Mais un dimon qui, systématiquement, par exprès, il dit non, mais son nat, ça ne m'a pas pour faire. Il sent qu'il paraisse. Ou soit il dit non, mais 20, 24, il n'est pas fait, non, il m'a fait un mot faraz, non. Sa qualité là, il est pour un péché. Sa qualité raisonnement là, pour amener un péché. Parce qu'il fait une tourne les deux avec un son nat qui établit, qui est mu'akkada. Ça, c'est son nat mu'akkada. Donc, tarawih là-dedans, par exemple. Il y a 12 rakat dans tous les jours, sunnat par exemple, dès avant Fajr, 4 avant Zohar, dès après Zohar, dès après Maghrib et dès après Isha. Ça va être sunnat mu'akkada. Si, comme on dit, un djimon, il peut prendre l'habitude, il peut tourner les dos avec ça, alors ça djimon là pour un péché. Bien qu'il y ait sunnat, on comprend, on peut dire mentalité là, hein. Djimon là, il prend l'habitude. Si un djimon, un jour, il y a un bel problème, il est malade, ou soit ce travail, pas de PMT, il y a 5 minutes pour faire 4 faras Zohar. Ça, c'est pas une exception, mais seulement l'habitude pour faire sunnat mu'akkada li bizan. Là, donc, tarawih li tom là-dedans. Tarawih li tom dans sunnat mu'akkada. 20 rakat, pas 8, 20 rakat. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continue de dire « Man taqarraba fihi bi khaslatin min al khayr » C'est lui qui taqarraba, il servit le mot « taqarraba » qui veut dire « il fait une rapproche avec Allah ». Alors, nous retournons dans le hadith « Wali » Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'Allah peut dire Mobanda li continue faire ban nawafil. Ça veut dire faraz nous pour faire tout le monde. Mais ça, quelque chose qui amène le monde prêt avec Allah là. Quand finalement, il vient wali. Qui a fait ça? C'est ban zafé en plus. Ban sunnat, ban nafil, ban zafé en plus. Donc, Allah dit Mobanda li continue faire ban zafé en plus jusqu'à qu'il est rapproché avec moi. Là, comme on nous connaît, il donne ban description de un wali. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, man taqarraba fihi. C'est lui qui l'y rapproche avec Allah. Ça veut dire, il fait man zafé en plus. Il fait tarawih, il fait qiyamul layl, il fait tilawat, il fait istighfar, il fait man zafé en plus, il fait sadaqa en plus. Alors, bi khaslatim min al khayr, par un de man quelque chose, le bien, par exemple, n'importe qui dit bien, n'importe qui khayrat, qu'il y soit dans ibadat, sa relation entre lui avec Allah, ou soit dans mu'amalat, relation entre lui avec Banjimun. Kana kaman adda faridatan fima siwahu. Li pareil, comment dire, li fin fait une faraz en déo Ramadan. Alors, nous connaissons faraz, ce valet, li bien grand. De là, ban nafil, sunnat, ce valet, li moins qui faraz. Mais dans Ramadan, c'est lui qui ne fait nafil. Alors, li gagne, comment dire, li fait faraz même. Valet là, multiplié, li augmenté. Waman adda fihi faridatan, astela, c'est lui qui dans Ramadan, li fin fait une faraz. كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه لباري كما جاء انجمون كين في 70 فراز en déo Ramadan donc tout à fait multiplié وهو شهر الصبر et Ramadan c'est le mois de sabr ça veut dire le mois de patience nous cultivons patience nous apprenons patience là-dedans dans toute façon nous prenons patience nous pas manger nous pas boire nous sacrifier nous-mêmes nous faire pression là nous-mêmes pour nous pas faire bonnes affaires nous coupe bonne mauvaise habitude nous force nous-mêmes pour faire bonne quelque chose une fois nous fatiguer mais seulement nous continuer d'y goûter nous faire ibadat alors non seulement nous montrer patience mais nous cultive patience dans nous-mêmes Rasoul Sallam il appelle ça shahru sabr le mois de la patience donc si un djimon est sorti dans Ramadan il y a encore toujours mauvais caractère il y a encore toujours comment dire ce collier dans le bout de son néné il est pas n'améliore du tout mais là il peut bien poser les questions mais qui Ramadan il amène moi. Il besoin d'une amélioration dans sa côté patience là et bien sûr dans les autres quelque chose aussi. Et Rasoul sallam dit wa sabru thawabuhu al janna. Et patience ce récompense qui était ce sawab qui était c'est jannat. Patience amène direct dans jannat.
Wa shahrul muwasat, l'hijra, c'est aussi le mois de al-muwasat, qui veut dire l'entente, l'amitié entre bandimoun. Donc c'est un mois qui est bien social. C'est un mois dans lequel nous socialisons. Nous pas restons tout seul. Nous venons dans masjid, nous joignons des gens, nous allons là, nous joignons des gens. Nous donnons nos zakat, là, ils permettent des gens riches de gagner contact avec des gens misères. Ils permettent des frères, de joindre les autres frères. Ils permettent des gens de passer le temps ensemble. Ils permettent l'entraide. Donc ça aussi, c'est une des bonnes caractéristiques de Shahru Ramadan. Wa Shahrun yuzadu fihi fi rizqil mu'min. Et dans ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala li augmente barakat, li augmente rizq pour un mu'min. Ça veut dire ce qui normalement ou habitué gagner dans rizq, dans Ramadan ou gagne plus. Rizq, c'est pas juste manger bon, c'est bien sûr manger bon, li ka manger bon, li ka la santé, li capable ban les autres affaires, li capable peut-être dans ban enfants, li capable happiness dans ou la case, li capable ban bénéfices. Rizq, Allah ce rizq, li bien grand, li bien vaste. Allô? Le malheureux, c'est lui qui par contre reconnaît quand Allah peut donner lui quelque chose. Il est bien qu'on reconnaît sa barakat là côté été. Comme ça, il peut donner lui valeur. Alors dans Ramadan, gagne plus barakat, gagne plus rizq. وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتِقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ. Et c'est lui qui là-dedans dans Ramadan, lui fait faire un zimoun faire iftar, lui fait donner lui de quoi pour faire iftar, pour les casse roza. Ça, c'est un moyen pour que Allah pardonne son péché et pour que Allah subhanahu wa ta'ala sauve lui depuis qu'il fait l'enfer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqun nar walau bi shiqqi tamra. Protégez-vous même quand il fait, ne serait-ce qu'avec la moitié tam. On mange un tam, on mange la moitié là-dedans, partage l'autre là-dedans. L'autre, la moitié qui reste là, partage-lui. Pas connaît qu'il fasse ça capable de sauver vous depuis Jahannam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit protégez-vous même depuis Jahannam, même avec en la moitié tam. Et comment nous apprenons, manger pour un dimon, il suffit pour deux dimons. Manger pour deux dimons, il suffit pour quatre dimons. Manger pour quatre dimons, il suffit pour huit dimons. Donc tout le temps, trouver un moyen pour partager. Wa kana lahu mithlu ajrihi, ou soit mithla ajrihi, min ghayri an yantaqisa, ou soit an yunqasa min ajrihi shay. Et ça, dimon qui donne un dimon qui peut garder rosa, fait iftar là. Les gains, ça va pareil comme ça, dit mon king Gadrozala. Sans qui, ça dit mon king Gadrozala, ce ça va diminuer. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous les deux pareils. Qalu, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Man sahaba jimadi, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Laisa kulluna yajidu ma yuftiru sa'im. Tout dit mon parmi nous, pas trouve de quoi pour donner un rosédar fait iftar. Nous pécons dans un contexte là-bas qui est bien misère. Et la fois ça, un tam là, même si difficile pour trouver dans le désert, un verre de l'eau, il a beaucoup plus de valeur pour les autres qui, il y en a aujourd'hui, ne peut gaspiller. Ça, un tam là, il a beaucoup de valeur. Alors, ben, sahaba, il y en a là-dedans qui est bien misère, il y en a un sahab ou souffre. Pas tout le monde qui a de quoi pour donner rosé d'art manger. Et la fois pour lui-même, il fait iftar, il peina. De là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Yu'ti Allahu hadha thawab man fattara sa'iman ala madhqati laban ou tamra. Ou shirbatim mimma. Allah subhanahu wa ta'ala li donne sa sawab là, ça veut dire qu'il y a pareil comme un rosédar là, à un dimoun, même s'il fin donne un verre de lait, ou soit un gosé de lait, ou soit un petit peu de l'eau, ou soit un tam. Même si on donne un dimoun un tam avec un verre de l'eau, ou soit un petit peu de lait, ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala li donne sa sawab là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continue, wa man ashba'a sa'iman. Allô? Là, pas venir juste un tam, un gosé de lait, un gosé de l'eau. Man ashba'a. Ashba'a veut dire, ou fin faire du monde là manger jusqu'à se vendre une plein. Un du monde garde rosa, on donne lui manger jusqu'à se vendre une plein. Saqahu Allahu min al-hawbi, shurbatan la yadma'u hatta yadkhul al-janna. Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire lui boire depuis dans al-hawb, en la boisson, jamais lui pour gagner soif jusqu'à lui rentrer dans Jannat. Elle est là dans Jannat, nous connaissons qui pourrait. Qui ça veut dire Haoud? C'est un bassin, ça même qu'on appelle Al-Kawthar, qui trouve devant Jannat. Donc, ban mu'minin, pour gagner l'occasion, boire là-dedans. Elle la boisson extraordinaire. Et qui sont là pour faire mu'minin boire? Qui sont là pour faire nous boire? C'est Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour boire dans Solamé Mubarak. Donc, donne un djimoun, un des bons moyens. Un des bons moyens, il y a beaucoup de bons moyens. Un des bons moyens, c'est donne un djimoun qui garde rose à manger, rempli sur vente.
Ce hadith-là, il y a beaucoup dans les autres variantes, beaucoup dans les riwayats. Il y a une riwayat qui mentionne « Man khaffafa an mamloukihi ghafarallahu lahu ». Là-dedans, dans Ramadan, c'est lui qui allège le travail sur le travailleur. Il dit « On peut travailler, lui ». Il fait une lien de facilité. L'organe, c'est une bonne heure, il repose, il facilite ce travail, il donne lien, il peut congé. Alors, il facilite ce travail, il fait ce travail, il plie léger. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, pour pardonner ce bon péché. Rasoul Assalam continue, il dit « Wa huwa shahrun awwaluhu rahma wa wasatuhu maghfira wa akhiruhu itqum minan nar » Et ça, c'est un mois qui, ce commencement, li rahmat, ce au milieu, li maghfirat, et ce dernier, li sauvegarde depuis l'enfer. Ça veut dire, premier 10 jours, Allah subhanahu wa ta'ala a voué sur rahmat. 10 jours au milieu, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne mon péché. Et Rasoul Assalam, il peut monter le mimbar, Jibril alayhi salam fait adwa, il dit amin, ben sahaba, il demande qui fait un amin, il dit Jibril alayhi salam, il dit malheur à celui qui, Ramadan est venu, il allait, ça pas fini, il y a un moyen pour son péché effacé. Rasoul salam dit amin. Donc, il est important, nous bisons quand nous sortons dans Ramadan, Allah nous pardonne nous mon péché, nous fait un effort pour ça et nous avons l'espoir pour ça. Nous disons à Allah qu'il nous pardonne nous. Alors, au milieu là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, pardonne mon péché. Wa akhiruhu itqum minan nar, et dernier 10 jours là, ça c'est sauvegarde depuis du fait l'enfer. Là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, il sauve beaucoup de monde depuis du fait l'enfer. Alors, Rasoul sallam dit, fastakfiru fihi min arba'i khisal. Alors, il y a 4 quelque chose qui ont besoin de faire beaucoup là-dedans, dans Ramadan. Khaslatan turduna bihima rabbakum. Dès là-dedans, je peux faire, je te rabbe satisfait avec je. Allah pour content, Allah pour satisfait avec nous quand nous vous faisons ça. Wa khaslatan la ghinan bikum anhuma. Et dès là-dedans, ou pas vous capable sans passer-li. Ou pour bien faire-li. Alors, amma al khaslatan, allatan turduna bihima rabbakum. En ce qui concerne ça, dès qui, ou pour faire Allah content, ou pour faire Allah plaisir là, fa shahada, Allah ilaha illallah, wa tastaghfiruna. Premier, c'est shahada, la ilaha illallah. Alors, kalima, la ilaha illallah, bien sûr, avec Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Bizal y a beaucoup. Même en dehors Ramadan, bizal y a beaucoup. Minimum, nous, ban mashaykh, recommande nous. Minimum 100, grand matin, 100 tantôt. Mais là, dans Ramadan, donc, bizal y a beaucoup encore. Recommandation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième, tastaghfirunahu, je dis man Allah maghfirat, dis man Allah pardon. Dis man Allah pardon. Ça aussi nous besoin faire, man mashaykh, recommande nous plusieurs fois, minimum 100 fois, grand matin, 100 fois, tantôt. À ce stade dans Ramadan, besoin faire plus encore. Ça m'a déjà fait là, besoin planifier ça. Hein? N'a pas dit oui, moi fais istighfar, mais seulement finalement, on fait 10 dés par jour. Ou besoin assiser, planifier, si vous pas planifier, il n'est pas pour moi aussi. Dunya pour Rissou pour aller. Si je dis comme ça, non, telle l'air, telle place, moi pour mettre mon tasbih là, moi passer, moi pour lier 100 istighfar. Là-bas, telle l'air, moi pour lier 100 istighfar. Moi pour lier tant d'aroud, moi pour lier tant la ilaha illallah. Moi pour lier tant passe dans le Coran, tant si parle dans le Coran. Si vous pas pour plan, non, il n'y a pas pour moi aussi. Wa amma al-khaslatan, Rasoul sallam dit, quant à ça, dès quelque chose, allatan la ghinan bikum anhuma, qui je ne suis pas pour capable sans passer là, fa tas'alouna al-jannah wa ta'oudhouna minan nar. Premier, c'est je demande à Allah Jannat. Et deuxième, je demande à Allah protection contre du fait l'enfer. Donc, ça aussi, nous vous enferme. Nous demandons à Allah Jannat. Quand nous demandons à Allah Jannat, il y a un riwayat. Pour résumer, je dis quand un dimon lui demande à Allah Jannat 3 fois, Jannat lui-même lui dit oh Allah, mets ça dimon là-dedans. Quand Jahannam, si pareil, dimon là, lui demande protection, un certain nombre de fois, mentionné 3 fois, ou soit il y a place mentionné 7 fois. Grand matin tantôt, alors Jahannam même lui dit oh Allah protège ça du monde là demain. Donc principe quand nous mettons tout ça ensemble, garde l'habitude grand matin après Fajr 7 fois minimum ou dit man protection contre du fait l'enfer et 3 fois minimum ou dit man Allah Jannat. Maghrib aussi pareil après Maghrib vous faites ça. À ce stade de surcroît dans Ramadan, bien faire lui garde l'habitude là, nous ou établir man l'habitude qui pour rester après Ramadan là, hein, ça man petites affaires qui sont bien simples. Les là, bien sûr, dans Ramadan, les points plus. Par exemple, vous pouvez lever, vous pouvez faire tahajjud, vous pouvez assiser, vous pouvez faire doigt. Dans Manlay, quand Allah accepte le doigt, quand on peut faire iftar, dans le troisième tiers de la nuit, nous pouvons garder une bonne habitude et en même temps, nous pouvons faire en plus dans Ramadan. Donc, ça, c'est quelques paroles, quelques conseils qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin d'un man sahaba, la veille Ramadan,
C'est important, nous rappelle nous-mêmes ça. Ben, ça fait qu'il nous déjà connaît, mais il est bon, nous rappelle nous-mêmes. Alors nous faisons doigt, que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, passe Ramadan bien, qu'il donne nous un cadeau, un bienfait qu'il y a dans Ramadan, qu'il y fait, qu'il façon, dans l'état qui nous rentre dans Ramadan, quand nous sortons, nous devons meilleurs. Nous pas devons pire, ou ça nous pas rester en place. Nous nous rapprocher avec lui, et qu'il y fait, nous pas rechuter après Ramadan, qu'il y fait, qu'il, chaque Ramadan qui nous venir, nous gagner, nous améliorer, jusqu'à qui dernier Ramadan qui nous finit faire dans nous la vie, c'est même meilleur Ramadan qu'il y a. Et donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que ce Ramadan-là, il vient meilleur Ramadan qu'il y a, qu'il donne nous jannat, qu'il protège nous depuis Jahannam, qu'il fait nous boire dans la main mubarak de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il garde nous dans compagnie, souvent awliya, dans dunya, et dans akhirat, et qu'il donne nous compagnie de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans jannat. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.